facteur de piano. Je faisais tout ce qu'il y avait à faire sur un piano. Donc j'étais manager dans la restauration rapide. J'étais chauffeur routier dans les travaux publics. Aide auxiliaire puéricultrice en crèche. Donc j'étais monitrice auto-école. Pourquoi pas, hein. J'étais contente, moi qui l'ai souhaité. C'est vrai qu'au début, c'était une simple proposition. Et puis, j'ai accroché tout de suite. C'est génial. Vraiment génial. C'est le montage et la rectification de roulement. Agent d'exploitation au service de la préparation des charges à ArcelorMittal. Alors moi, je suis soudeur en atelier, donc pour le groupe ADF à La Feuillade. Je suis technicienne en radioprotection et je travaille pour Orano DS. Je suis conductrice d'équipement. Une grosse remise en question. Bon, on fait son chemin, hein. On a un but à atteindre. Et on a des enfants derrière qui nous poussent, donc... On mord et on y va. Hein. C'était très compliqué parce que j'ai 35 ans, c'est une reconversion professionnelle vu que je sors de la petite enfance. Il a fallu s'adapter, mais ça se fait. Mais il m'a quand même trouvé un emploi. Hein. C'est déjà beau. Le GIEC m'a permis surtout de mettre un pas dans le milieu du travail de l'industrie. C'est surtout ça qu'ils m'ont apporté, avec un suivi que je n'avais pas eu dans d'autres formations. C'est un accompagnement sur mesure. Orano, tous les ans, est très centré sur l'effort de formation en alternance et accueille au périmètre du Sud-Est à peu près 200 alternants tous les ans. Au sein du groupe ArcelorMittal, on a commencé à avoir un programme de recrutement important depuis les années 2000, avec un constat, la difficulté à trouver des profils suffisamment nombreux. Donc on a commencé à ouvrir le recrutement sur des profils un peu différents. Une grande dynamique autour de la diversité. Alors la diversité, c'est quoi? C'est à la fois donner une chance à des publics qui sont éloignés de l'emploi, c'est aussi la féminisation de nos métiers techniques, et puis l'accueil de personnes en situation de handicap. Des gens bien câblés, motivés, avec un vrai projet, donc ça c'est quand même une belle condition de réussite. Leur envie, leur motivation, je dirais en langage rubistique, leur niaque. On travaille en toute confiance. Sur 10 ans, c'est près de 200 salariés du GIEC qu'on a accueillis. Donc au final, une vraie relation de confiance qui s'est établie et puis des beaux résultats. Et donc la surprise, c'est plutôt quand ça ne marche pas pour moi. Voilà. Mérite à être connu. L'agilité, parce que beaucoup de souplesse et de grandes capacités d'adaptation. Soutien. Enrichissant. Professionnalisme. La souplesse, la disponibilité, la réactivité, qui n'est pas, je dirais, le fort des grosses structures comme les nôtres. C'est le rebond. Donc une chance et un rebond, si je peux avoir deux mots. Voilà, j'aimerais bien.